quelques heures de l'opposition RDC-Soudan, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabloumona Kabulo, a rendu visite au Léopard de la RDC. Il est descendu accompagné de quelques membres de son cabinet à l'hôtel Hilton de Gombe, où les fauves de la RDC ont érigé leur quartier général, question de se rendre personnellement compte du moral du 11 national à l'approche du match. Le patron du sport congolais a encouragé Sébastien Desabre et ses poulains, au nom du premier sportif du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à celui du gouvernement de Jean-Michel Samalou Kondé également. Toutes les batteries ont été mises en marche côté gouvernement afin de permettre aux poulains du tacticien français de préparer cette rencontre aux allures d'une finale dans des conditions très professionnelles. Il aura promis le soutien de toute la population congolaise en général et quinoise en particulier, avec la motivation de les pousser à la victoire finale ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte face aux Crocodiles du Nil. François-Claude Kabloumona Kabulo a par ailleurs rappelé au Léopard de la RDC l'objectif et les attentes de toute la nation congolaise, à savoir la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est là après avoir manqué l'édition de 2021 au Cameroun. Motivé par le discours de l'autorité, le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba Mangoulou, a au nom de tous ses coéquipiers promis de tout donner sur le terrain ce samedi. Merci beaucoup Monsieur le Ministre pour votre présence ici. On est très content, on est focus à notre match. On demande à tous les peuples congolais, on a besoin de soutien de tous les peuples congolais. Nous, on est focus à notre match. On va mouiller notre maillot jusqu'à la fin pour chercher la qualification. Ça ne va pas être facile, mais on croit. On croit qu'on va être jusqu'à la fin pour chercher notre qualification. Merci beaucoup. L'autre match du groupe I opposera la Mauritanie au Gabon à Nouakchott. La RDC n'aura besoin que d'un petit point pour valider son ticket à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Très heureux, je suis content d'être ici et j'étais là la dernière fois, donc c'est différent cette fois-ci, mais je suis vraiment content de rejoindre les garçons et le staff et très heureux d'être au pays. Ben, la première séance s'est bien passée, ben, le stade de Martyrs, c'est un stade mythique, hein. Donc en Europe, quand je suis en Belgique, on entend toujours le stade de Martyrs, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de venir à Kim plusieurs fois, mais c'est comme un rêve et voilà, et j'y suis. On travaille bien pour pouvoir faire un bon résultat sur le terrain. Un match très important, c'est un match décisif. Il n'y a pas vraiment un message à faire passer vu qu'on sait que tout le monde sera derrière nous. Et à nous de faire le. À nous de bien faire ça. Vamos!
Bien joué. Les deux. Le gardien. Reste. Bien joué. Voilà. Salut à tous, je suis Charles Piquel, je suis ravi d'être ici au Congo, à Kinshasa. J'évolue en Italie, à US Cremonese, en Serie B, et je suis très content d'être ici. Déjà le projet qui m'a montré que ça peut être quelque chose de grand, et je trouve qu'il y a une bonne qualité de joueur, et moi je veux ça me ramener et donner tout. J'étais déjà au Congo avec ma famille quand j'étais petit et je connais un peu le pays. L'ambiance du groupe, très bien, ils m'ont très bien accueilli, tout le monde très très gentil et ils sont focus pour ça qui va arriver et je trouve que c'est très très bien. Bonté à tout le monde.